Oh! Et voilà. Hello les crâniens, j'ai reçu aujourd'hui un colis de Pierre-Henri du site L'Insoluble Casse-Tête. Le voilà, il m'a offert des échantillons et je le remercie beaucoup de me faire confiance. Si jamais les liens se trouvent dans la description, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Putain, je me sens comme un enfant. C'est de toute beauté. Il y a 3 boîtes à l'intérieur. Salut Monsieur Lee, nous sommes très heureux de commencer cette aventure avec toi et espérons qu'elle durera dans le temps. Je pense que ces casse-têtes devraient littéralement te casser la tête, J. Bon courage et n'hésite pas à nous contacter si tu as besoin d'aide, nous pourrions te donner quelques indices. J'espère que tu n'en auras pas besoin. L'équipe de l'insoluble. Laquelle ouvrir? Personnellement, c'est la boîte noire qui m'intrigue. J'ai envie de voir qu'est-ce que c'est. Oh, c'est lourd quand même. Par contre, la matière, je pense savoir ce que c'est. De casse-tête. Il y en a combien? 28 casse-têtes. Ça fait beaucoup là, non? Je pense que j'ai pas le choix. Hein. Pour une meilleure cohérence, je vais les réaliser de gauche à droite et de haut en bas. Celle-ci sera mon premier et celui-ci sera le dernier. Mon but pour les 28 casse-têtes va être de les désassembler et de les réassembler juste après. Let's go. Allez. Si je les connais, c'est assez facile. Il suffit de bien superposer. Et pour le remettre, c'est pareil. Hop. Celui-ci, c'est un facile. De 1. Celui-ci, j'en ai jamais vu des comme ça. Chelou celui-là. What? Ah! Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On pousse. On tourne. En fait, faut juste trouver le bon sens. Et ça y est. T'en fais un de plus. Alors. Ah bah voilà, c'est le plus rapide. C'est bon. En toute honnêteté, je le connais déjà. Ça s'appelle les fers à chevaux en français. L'idée c'est de faire sortir la boucle. Il faut passer l'anneau entre les deux. Et elle sort naturellement. Pour le rentrer, vous le remettez entre les deux. Et lorsque vous écartez, vous faites tomber. Avec la gravité. Bon, j'ai remarqué que Pierre-Henri m'a aussi offert les fers à chevaux, mais dans une qualité bien supérieure. On va quand même l'ouvrir pour vous montrer. C'est exactement la même chose, sauf que celui-ci, il est hyper beau. Je mettrai les liens dans la description. Passer au cinquième. Oh! Ah, comme ça. Ça, c'est chiant, on se souvient plus trop comment on l'a fait. Cinquième fait. Celui-ci, c'est d'être une histoire encore d'angle. Pour résoudre ces casse-têtes-là, c'est souvent à l'ouverture. Surtout si ce sont des pièces symétriques. Ouais, voilà. Vous le mettez comme ceci. Vous tournez d'une certaine manière. Voilà. Sixième fait. Ici, vous avez le trou. Il suffit simplement de superposer. Même pas besoin de forcer. Et pour le remettre. C'est fait. What? Celui-ci, il est arrivé comme ça. Je sais pas trop comment il était censé être. Oh, ça me fait penser à un truc, ça. C'est un petit tour que vous pouvez faire à vos amis. Vous avez une chaîne, un anneau, vous faites passer l'anneau à l'intérieur, et forcément, si vous laissez la gravité faire, ça tombe. Mais si vous le faites d'une certaine façon, ça s'accroche. Je vais vous montrer l'astuce, il suffit simplement de placer l'anneau, le faire tenir entre votre index et votre majeur. Vous déposez l'anneau sur le pouce, et ce que vous allez simplement faire, c'est relâcher le pouce. Et voilà. Ok. Et du coup, ben, 8e fait. Ah, il suffit de le rentrer par ici, vous faites un tour, et voici, 9e fait. Ah, c'est quoi ça? Il a une forme chelou un peu, hein. Comme ça ici sûrement. Et quoi, après il faut juste les faire glisser? Voilà, 11e. On a l'impression de déjà vu, hein. Et voilà. Assez souvent, c'est une solution symétrique, mais pas celle-là. On commence par ici, on tourne. Ouf! C'est quoi ce truc?
mal. Et oh mon Dieu! Ah, c'est frustrant! Ah voilà, et si on enlève. Oh, je sais plus comment c'était. Je peux trouver un moyen de l'insérer. Serrer ici. On est encore sur les positions symétriques. Je sais pas si je suis à la moitié, j'ai pas compté. Mais même si je suis rapide, mentalement ça m'épuise. Ah! La clé de voûte se trouve là. Et tac. Waouh, c'est tellement smooth! J'ai mis un peu de fil à retordre. Hop là. J'ai l'impression que la forme ici, c'est juste pour induire en erreur. Il m'en reste combien? 1, 2, 3, 4, 13, 14. 14! Ouh, je suis à la moitié! Bon bah celui-ci ne doit pas être très compliqué. Non. Je retire ce que j'ai dit. Il est un peu chiant quand même. Ah, j'ai trouvé. Youp. Pour le remettre, il se fait un petit bisou, il rentre. Fini. Hop là, il faut refaire la même opération. Ah! 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 Ah non, je suis presque. Fini. Faut trouver le bon angle. Aucune idée, c'est quoi le bon angle? Oh, nice! On le rentre ici. Oh, peut-être un peu incliné. Oh, je sais même plus comment j'ai fait. Comme ça. Ah oui, voilà. Ensuite, on le tourne dans ce sens-là. Fini! Ça, c'est la position de départ. On fait passer ça ici. Ah ouais. Il est un peu plus hard quand même, celui-là. Je suis presque, hein. Oh. Oh, cool. Donc, j'avais fait ça comme ça. Hop. Fini. Celui-ci, je l'ai jamais vu, par contre. On dirait deux comètes. Ah. Peut-être passer comme ça. Ah. Ah bah non, je suis revenu au point de départ. J'ai plus ou moins compris le principe. Oh, allez. Ah, ah, c'est bon ça, non? Il y a encore un tour à faire. Ah non, c'est bon. Il n'est pas évident celui-ci parce qu'il faut légèrement écarter. Réussi. J'imagine qu'il faut d'abord bien retirer ces deux pièces. Un enlevé et un second enlevé. C'est tout. Trois quarts de fait, il en reste plus que 7. Celui-ci, ça n'a pas l'air si compliqué. Pour le rentrer, hop, hop, hop. Nickel. Plus que 6. Plus que 5. Je suis tombé sur ceux qui ont vraiment le même fonctionnement. Ouh, il est chelou celui-là.
On suit le truc. On tourne. Ah, c'est trop bien. On tourne. Ah, dans ce sens intérieur. Et voilà. Oh, il était vraiment chouette celui-ci. Assez facile, mais vraiment chouette. Nickel. Plus que 3. Voilà, je pense être bien mis. Ah, trouvé. Tourne dans un sens. Puis dans quel sens c'était? Il n'y a que deux sens. Ah, voilà. On est à l'avant-dernier. Ouh là là. Ah, j'ai trouvé le point d'accroche. On fait rentrer la boucle et on tourne à cet endroit-ci. Nickel. Et le dernier. Ah. Oh. Je l'ai rentré ainsi. Pourquoi ça bloque? Ah. Oh. Oh. C'est fini. 20 casse-tête. Réussi. Ah, mentalement, j'en peux plus là. On passe à la review. Difficulté 2 sur 5. La plupart ont le même mode de fonctionnement, qui fait que pour certains, votre cerveau reconnaît un pattern. Surtout si vous en faites 28 d'affilée. N'empêche que ça fait un très bon exercice mental et ça permet de stimuler constamment vos capacités cognitives. Et pour la prestation, 4 sur 5. Même si j'en connaissais déjà quelques-uns, j'ai été agréablement surpris par certains d'entre eux. J'ai pas eu mal aux doigts grâce à la matière métallique et à l'épaisseur du métal. Quand on est sur des produits bas de gamme, ils sont plus fins et moins maniables. Et là, c'est du très correct. Et un petit plus pour la sacoche dont la matière est super satisfaisante, c'est tout pour les casse-têtes. Encore un merci à Pierre-Henri de l'Insoluble Casse-Tête. N'oubliez pas que les liens se trouvent juste dans la description. Si jamais vous décidez de vous en écrire sur le site internet, n'hésitez pas à utiliser le code LY. L-Y. Ça permet de me supporter et puis grâce à ça, vous aurez aussi droit à 10% de réduction sur votre panier. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, je vous lirai tous. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like ou partager la vidéo, ça me permet d'être mieux référencé sur internet. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !